à l'heure. Alors, c'est une bande de copains. On travaille tous dans le domaine culturel. Et puis, on a décidé de se faire plaisir, d'allier la bouffe et la musique, le partage. Et donc, c'est comme ça que ce festival blues est né. On a décidé cette année, pour la première, de faire appel à des groupes essentiellement régionaux. On a fait appel à Manjo Band, qui viendra deux fois sur le site. C'est le groupe vedette de ce premier festival. Donc c'est un groupe assez connu dans la région, qui est assez dynamique. Et puis au niveau partage, on est sûr de bien s'amuser. Voilà. Ensuite, on fait appel à Michel Aubenas, c'est un artiste, auteur, compositeur carcassonnais. Donc lui, c'est aussi c'est du blues, mais aussi des compos. Et puis ensuite, on fait appel à Simbo Bassi, un groupe de la région de Béziers, un groupe malien, qui là va nous faire découvrir un petit peu le blues profond du Mali, avec 7 musiciens, des percussions. Et puis comme exemple, on peut reprendre, ils sont très basés sur le corps humain, donc la batterie pour eux représente le rythme cardiaque. Alors ensuite, il y a quelques animations, il y a des scènes ouvertes, et on peut aussi se restaurer. Donc les festivités commencent à 11h avec une balade musicale dans le village, un apéro offert par la mairie d'Ouveillan sur la place du marché. Et ensuite on se donne tous rendez-vous ici au domaine de Foncalvi pour un pique-nique sorti du sac et puis grillade, possibilité de se restaurer, etc. Et on fait suivre une petite sieste musicale. C'est tout ? C'est vrai ? Attends, non, si, ça finit par des pédatifs, pas par...